Allez, eh bien, nouvelle partie de Terraforming Mars, donc avec deux extensions. Hein, la première extension, c'est donc le plateau. Alors, le plateau, j'ai choisi, en l'étudiant un petit peu, je trouve que ce plateau-là me paraît plus facile, entre guillemets, que l'autre côté, parce qu'il y a y a pas mal de feuilles, en fait. Il y a pas mal de feuilles, c'est pour ça que je me dis, ça peut être plus intéressant de l'autre côté. C'est un petit peu dispatché. Dans le sud, on peut avoir de la génération de chaleur, mais bon, je sais pas trop. J'ai préféré celui-là. Donc, première extension, c'est celle-ci. Et la deuxième extension, c'est Prélude. Prélude, toute petite boîte, hein, toute petite boîte qui vaut quand même 20 euros. Enfin bon, ça a l'air quand même bien Prélude parce que il y a 35 cartes. Je me souviens plus le terme. 35 cartes qui vont nous aider en fait à démarrer plus rapidement. Bon, par contre, en contrepartie, au lieu d'avoir 14 générations pour tout terraformer, on n'en aura que 12. C'est surtout ça la différence. Et dans ce mode prélude, on a aussi un autre mode qui est donc toujours en utilisant bien sûr les cartes prélude. Hein, un autre mode qui s'appelle NT Solo, c'est-à-dire qu'en fait l'objectif c'est pas de tout terraformer, c'est de monter à, il me semble, 63 points de victoire. Hein. 60 points de victoire, par contre on n'est pas obligé de tout terraformer. Voilà, c'était écrit ici. Donc en solo, là, prélude en solo, lorsque vous utilisez les cartes prélude dans une partie, vous ne disposez que de 12 générations. Voilà. Et l'autre pour tout terraformer. Par contre, en NT, version solo, eh ben, il y a marqué cette variante peut être jouée avec ou sans ou avec n'importe quelle extension. Votre objectif n'est alors plus de faire progresser les paramètres globaux jusqu'à leur but, mais d'atteindre un niveau de terraformation de 63 en 14 générations. Ou 12 si vous jouez avec les cartes prélude. Ok. Placez un cube or sur l'échelle 63 de l'échelle NT. Dans cette variante, un nouveau projet fait apparition, c'est Gaz Tampon, qui nous permet de pour 16 mégacrédits là, d'augmenter notre NT de 1. Alors par contre, je ne sais pas si c'est à la fin de la partie qu'il faut avoir 63 ou c'est en cours de partie. Je pense que c'est peut-être en cours de partie avant de compter les. Je pense avant de compter les points de victoire. Je pense, hein. Il y a une notion de badge joker. Bon, ça, c'est pas très important. De toute façon, je sais même pas si on va tomber sur ces cartes-là. Alors, comme dans Prélude, donc il y a 35 nouvelles cartes. Comment ils appellent ça? Des cartes. C'est pas des cartes corporation, non. C'est cartes. Cartes projet. Je sais pas. Elle est une carte prélude. En fait, ça s'appelle une carte prélude. Ok. Alors, il y a ça et il y a 5 nouvelles corporations que j'ai mélangées. Donc, ça fait en tout 17 corporations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ouais, on a nos 17 corporations. Voilà. Plus 5 nouvelles cartes projet qui rentrent dans le paquet projet, en fait. Voilà. Donc, on va y aller. On va y aller. Tout d'abord, on va choisir nos deux corporations. Alors, j'ai un des 20. J'ai un des 20. Donc, 1 et 17. 1. Ah bah tiens, on prend la une. C'est bien. 1. Ouais. Je me trompe pas. La dernière fois, je m'étais trompé. Donc là, on reprend 1 et 16. Ah, c'est quoi ce chiffre? 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il y en a qui sont à l'envers. Ok, c'est pas grave. Alors, on a déjà ça de côté. On va y regarder vite fait. Ah bah mince, c'est celle que j'avais déjà. Et il y a celle-ci. Bon. On va peut-être prendre ça. Hein. On va pas prendre ça. Ok, c'est pas grave. Après, on a donc on pioche dans le jeu 4 cartes prélude.
et on en conserve. Et on en conservera deux. Donc, allez, une, deux, trois et quatre. Allez, on met ça de côté. On les regardera tout à l'heure. Ok, avec ça et ça. Ensuite, on va mélanger chaque paquet. Voilà. Ah, il y en a qui sont à l'envers. Ok, donc celle-ci, vas-y, on en prend la moitié. Celle-ci, pareil, on mélange. Ouais, pour ça, c'est vraiment pas pratique. Il y a beaucoup de cartes à mélanger, c'est compliqué. On en prend la moitié. Hop, hop. Et celle-ci, en plus, il n'y a que 12 générations, donc on va utiliser très très peu de cartes. Et on en prend la moitié. Allez, ok, on mélange tout ça. Une dernière fois. Ouais, si j'y arrive. Bon. Je ne sais pas si on va obtenir ces fameuses cartes préludes, ces cartes projet de la boîte d'extension. Mais bon. Allez, on fait ça. Et on va placer, donc, comme d'habitude. On va placer les deux villes et les forêts. Donc, premier, c'est ville 21. Donc, là où on peut placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, ça commence mal. Là, il m'en met une où il y avait deux feuilles. Oh, si il se met là, oh là là, ça commence très très mal. Enfin bon, c'est pas grave. 21. On va revérifier quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est bon. Après, on va y mettre. Je sais plus si c'est l'autre ville ou pas. Oui, non, ça doit être l'autre ville. Ouais. L'autre ville en partant par le bas. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc, une sera ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ensuite, forêt. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. 12. Forêt ici. Voilà. Et l'autre, 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, celle-ci, elle va pas trop. Alors, autant la première me gêne beaucoup. C'est la seule où il y avait 3. Ah, plus. Alors. Alors, ok. Ok, donc ça, c'est bon. Et après, eh ben, on pioche nos 10 cartes. Nos 10 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Ah, là, il faut au moins 3 os. Bon, je vais les étudier. Hein. Ça. La prochaine carte, on paye 8 en moins. C'est peut-être pas mal, ça. On a des PV, mais on s'en fiche. Donc là, c'est quand même pas mal, ça. Ça me fait 5 en moins, en fait. Après ça, refuge spatial de Phobos. Enfin, concours d'invention. Consultez les 3 premières cartes de la pioche. Ajoutez une à votre main et défaussez les 2 autres. Ok. Pour 4 énergies. Ah, ça, ça peut être pas mal. 4 énergies. Et ça, on prend à quelqu'un ou on prend à nous? Diminuez votre production d'énergie de 1. Et n'importe quelle production de 2 MF à de quelqu'un d'autre, j'augmente la mienne. Okay. Ah, ça, c'est cool, ça. Mais il faut qu'il y ait 6 os. Ou avant qu'il y ait 6 os, ça va faire...
des insectes. Il faut qu'il y ait 6%. Cratère ouvert. Ouais, mince. Ouais, et ben là, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je suis pas trop bien. Donc j'ai ça. Après, donc j'ai celui-là. Celui-là, malheureusement, et Lyon, c'est celui que j'ai joué la dernière fois. Donc, ou alors je prends ça. Vous commencez avec 44 MF et une production de 3. Ah, une production de 3, ça c'est pas mal. Et là, effet, le coût de vos cartes construction est réduit de 2. Il va falloir que je joue les constructions, mais les constructions, j'ai peur que... Qu'est-ce qu'elles ont les cartes construction? Ouais, j'ai peur que... Bon. Et ça, nos 4 cartes. Alors, les 4 cartes, il faut en choisir 2. Donc, normalement, ça nous fait gagner des tours, en fait. Alors, banque partenaire. Augmentez votre production de 4. Ah ouais, ça me ferait 8 d'entrée. Je gagne pas mal de sous, là. Et j'y gagne aussi 3. Ici, placez une tuilicité, augmentez votre production de 2. Ouais. J'ai aussi un badge comme ça. Ah, ça c'est peut-être pas mal. Ouh, oui, ça pourrait peut-être aller avec ma corpo. Augmentez votre production d'énergie de 2. Gagnez 4 aciers. Ah, et des feuilles. Ah, ça aussi c'est pas mal. Laboratoire de biologie. Augmentez votre production de plantes de 1 et piochez 3 cartes. Ah ouais. Dommage, et bon, celle-ci peut-être pas, mais en fait, j'ai celle-ci qui me plaît beaucoup, la banque là, et une des deux. Je sais pas trop si vous augmentez votre truc de 4 MF, parce que là, je l'augmente en plus de 3, ça ferait 7 MF de plus par tour. Quand même pas mal, hein. 7 MF, je peux faire augmenter la température. Bon, les feuilles. Bon, ouais, peut-être ça, augmenter la production de plantes. Je sais pas trop. Ça me fait 44, 47, ça me ferait 47, 7. Dommage. Le problème, c'est que j'ai aucune énergie. Aucune énergie en production. Celle-ci, il faut 3 eaux, là, c'est impossible. Bon, je vais étudier, puis je reviens. Ok, bon, bah, j'ai réfléchi un petit peu. Alors, celle que je vais pas garder, c'est celle-ci. Bon, celle-ci, c'est que des points de victoire, donc ça m'intéresse pas. Celle-ci... Ah oui, celle-ci, il faut 3 eaux. Tiens, j'ai pas fait attention. Nécessite 3 tuiles océan. Ça peut être pas mal quand même. Diminuez votre production de 1 et n'importe quelle production. Ah oui, celle-ci est peut-être pas mal. 3 eaux. Je gagne des feuilles. Ça, c'est pas mal. Donc, celle-ci, j'en voulais pas. Celle-ci, le problème, c'est... C'est qu'en fait, on gagne la production en fonction du nombre de badges qu'on a. Mais des badges... des badges, il y en a assez peu. Enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup en fait. Des badges de plantes, là j'en ai une là, mais je sais pas si ça vaut le coup. Donc je préfère la laisser. Bon, celle-ci aussi, celle-ci aussi, et celle-ci aussi. Pourquoi? Je m'en rappelle plus. Bon, ouais, il faut diminuer ça. Bon, allez, je mets tout ça de côté. Par contre, celle que je voulais garder. Alors, par contre, j'en ai peut-être trop, là. Donc là, je gagne. Alors, ouais, en fait, je me dis... Parce que ces deux-là, elles font un peu doublon.
Alors, je voulais garder celle-ci, bien sûr, pour faire augmenter l'oxygène. Mais alors, si j'ai pas mal de plantes quand même, l'oxygène, est-ce que c'est indispensable? Si, ah oui, mais au début, il faut quand même monter de l'oxygène. Ouais, bon, j'aurais réfléchi un petit peu. Ok, bon, ben, j'ai réfléchi, hein. Enfin, j'ai réfléchi, j'espère ne pas me tromper. Donc, celle-ci, j'avais dit que je la prenais. Celle-ci, je la prends aussi, elle vaut pas trop cher. Celle-ci, je la prends parce que de toute façon, je vais la payer 3. Elle est gratuite. Mais elle me rapporte 5, donc. Alors après, c'était une des deux. Une des deux. Ou les deux. Ou les deux. Est-ce que je prends les deux? Alors, celle-ci me tente. Et celle-ci, bon, on va la prendre aussi. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 cartes, ça me fera 15 pièces. Ensuite, ce que je voulais garder. Donc, on va prendre bien sûr la corporation qu'on n'avait pas jouée l'autre fois, c'est-à-dire Chung Shing. Mars. Mars Wall, un entrepreneur asiatique, a pris une avance considérable dans la construction de colonies et d'industries sur Mars. C'est aujourd'hui un acteur incontournable. Ah bah oui, c'est la nouvelle carte, hein, j'ai pas vu. Ah bah si, là c'est Prélude. C'est l'icône Prélude. Alors, bah celle-ci, bah, on va la prendre. Donc, je vais gagner des sous, je vais gagner de la production, ça c'est pas mal. Et l'effet, le coût de vos cartes construction est réduit de 2. Bon, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas si je vais en avoir beaucoup. Donc, j'ai ça. Et ici, je voulais garder, donc je voulais garder la banque. La banque. Et qui va me faire monter quand même en tout, ça va faire plus 7 à tous les tours, donc ça c'est pas mal. Et c'est celle-ci, parce que j'ai que des cartes un peu nulles, me dit. Celle-ci m'aurait plu aussi, mais bon, je vais quand même garder ça, parce que j'augmente ma production déjà de plantes. Et je pioche 3 cartes. Donc voilà, celle-ci, je la remets de côté. Ainsi que le campement autonome, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc. Je paye ben 15, 15. Par contre, je gagne combien? Alors, je gagne donc 3, plus ça fait 40, 47. C'est ça. 3 plus 44, ça fait 47, bien sûr. 47, ok. Je gagne en production 7. Alors ça, c'est quand même bien. 7, c'est quand même pas mal, je pense. Surtout en début de tour, multiplié par 12. 12 fois 7, ça fait quand même... ouais, beaucoup, quoi. 12 fois 7, 14. 84. Ouais, ça fait 84. C'est pas mal, hein. Ok, donc celle-ci, j'ai un petit badge. Que je garde et là j'augmente ma production de plantes de 1 et je pioche 3 cartes, ça c'est pas mal. Donc ces cartes là je vais les mettre de côté, c'est juste pour les badges, pas très important, donc je vais les mettre plutôt là-haut comme ça. Voilà, je verrai au moins mes deux badges, j'espère ne pas les oublier. Et par contre, bien sûr, il faut que je paye 15. Voilà, il me reste quand même 32. 3 fois 5, 15. Voilà. Voilà, ça. Je vais la laisser là. Voilà. Chung Shing. Voilà. Donc, bon, bah, ça va partir. Hein. Ça va partir. Donc, le premier tour, c'est ça. Hein. Le premier. Toujours la préparation, en fait. Ça compte pas comme un tour de jouer ces deux cartes. De jouer... Par contre, je n'ai pas pioché trois cartes. Une. 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a? Ah! Ah, il faut au moins qu'il y ait 8 degrés. Hein. La température doit être de 8 degrés, de moins 8 ou plus. Ici, quoi. Bon, je pourrais la poser, c'est peut-être pas trop mal. Ah! Pénitencier minier de Callisto. Augmentez votre NT de 3. Ouais, c'est quand même bien, mais vous avez toujours voulu être
Un gardien, n'est-ce pas? Ah oui, oui, j'en pioche 3, oui, c'est ça. J'en pioche 3. Donc ça, c'est bon. Et celle-ci, oh, bah, c'est des points de victoire, celle-ci. Un PV par groupe de deux animaux dessus. Ah, c'est pour des points de victoire. Donc celle-ci, bon, je pourrais peut-être la vendre. Ok, donc on va commencer. On va commencer. Qu'est-ce qu'on fait? Je me dis qu'on va jouer ça. Un. Ah bah non, ça c'est. Oui, moi 3. Oui, la prochaine carte. Comment on va faire? Oui, je m'étais dit, il y en a une qui est pas mal. Celle-ci, elle vaut 2. Ou alors, je joue d'entrée. Celle-ci, je peux pas. 3-3, ça, je peux pas. Donc, ça, c'est réglé. Celle-ci, le pénitencier. Bon, pour l'instant, on la met là. Bon, je me dis que je vais. Celle-ci, je peux pas. Elle fait moins 8. Donc, bon, bah, pour l'instant, les cartes, j'ai pas grand-chose à jouer. Hop. Et en fait, c'est que ces trois cartes. Trois cartes, celle-ci, je pourrais la poser. Quand je joue une carte, elle vaut que 13. Hein. Celle-ci, elle vaut 13, mais pour l'instant, j'ai pas d'acier. Donc, on va jouer à deux celle-ci. Allez. On joue à deux. Allez, celle-ci. Donc, grâce à celle-ci, c'est du rouge, par contre. Ah, par contre, il y a un badge. Alors là, je ne comprends pas trop, parce que celle-ci, on la retourne. Donc, on n'a plus les badges. Ouais. Ah, c'est peut-être pour la payer, on a peut-être des réductions. Je sais pas, peut-être. Consultez les trois premières cartes de la cloche, ajoutez une à votre main et défaussez les deux autres. Donc celle-ci, je la retourne. Trois cartes. Une, deux, trois. Est-ce qu'on va avoir un truc intéressant? Quatre points de victoire. Bon, ça, c'est pas pour moi. Ah, ça me plaît peut-être. Nécessite au moins 2%. Ah ouais, 2% d'oxygène. Ah oui, c'est là. 2%, ouais, ça peut être intéressant. Ah, et celle-ci. Ah oui, celle-ci aussi me plaît bien. Là, je pose de l'eau. Et là, j'ai de la température, la chaleur. Et surtout, je gagne des feuilles. Par contre, elle vaut 28. Celle-ci était aussi bien. Payer 12 MF pour placer une tuile océan au lieu de 18, quoi. Quelle on va garder? Tuile océan, peut-être pas. Non, je vais plutôt garder celle-ci. Mais il me faut 2% d'oxygène. Ok. Ok, bon, bah c'est bon. J'ai gardé celle-ci. Et après, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je m'étais dit. Là, je paye moins 8. La prochaine carte jouée, moins 8. Ça ferait 20. Je pourrais la poser, mais il n'y a pas de 2%. Donc, ça ne sert à rien. Celle-ci, ça ne sert à rien. Non, je vais tout simplement augmenter de 2 ma production de d'énergie. Donc ça fait 22, il m'en reste 8. Voilà. 22, il m'en reste 8. Avec 8, est-ce que je peux faire quelque chose? Non, il faut qu'il y ait moins 8. C'est pas possible. Non, bah on va. Ah, 8, ça ferait 16 en fait. Je pourrais en poser une à 16. À 16 moins 2, ça fait plus que 14. Quatorze, ça peut être pas mal. 14 pour poser ça. Non, pas 14, moins. Donc celle-là vaut 15. 15 moins 8, ça fait 7. J'ai dit 14, je sais plus.
Ah oui, 8, ça ferait plus que 7, 7 moins 2, 5, 5, et bon, on va payer ça, allez, tiens, on va mettre ça, donc celle-ci, je la pose, enfin, je joue déjà celle-ci, voilà, la prochaine carte paye moins 8, le coût de la prochaine carte que vous est réduit de 8, donc c'est celle-ci, réduit de 8, elle vaut plus que 7, 7 moins 2, comme il y a le badge, 7 moins 2, 5. Voilà, 5. J'ai au moins posé ça, j'ai pas d'énergie, mais voilà. Allez, c'est fini. Donc, tour suivant. Faut pas que je me trompe. Hop, phase de production, les tuiles, on n'a rien posé. Bon, bah, ça a l'air bon, hein. Voilà, phase de production, gagner les ressources en fonction. Alors, on gagne déjà les ressources. Donc ici, je gagne 14 plus 7, 21. 21, 14 plus 7, 21, c'est quand même pas mal. Ensuite, en prod, on n'a rien. Ici, une feuille. Ah oui, une feuille. Pas assez de ici deux énergies et c'est tout. Voilà, tour suivant. On pioche quatre cartes, une, deux, trois, quatre. Alors, catapulte terrestre, le coût des cartes que vous jouez est réduit de 2 tout le temps. C'est 23, ouais, ça vaut cher quand même. Pour un petit peu de tour. Station Pégase. Augmenter votre en fonction du nombre de badges qu'on a. Bof. Améliorer de virus. Lorsque vous jouez un badge plante, microbe ou animal, y compris celui-ci, vous gagnez une ressource. Gagnez une plante ou ajoutez une ressource à cette carte. Ça sert à quoi ça? Les souches du virus génétiquement modifiées peuvent permettre d'introduire. Ouais, d'introduire des gènes favorables à d'autres organismes. Ah oui, peut-être qu'il y a des cartes qui comptent les objectifs en fonction des plantes. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, et celle-ci. Ah, réserve. Ça me plaît, ça. Ah, je vais peut-être prendre. C'est peut-être la seule que je vais prendre. Allez, deuxième tour. On paye donc 3. Trois cartes. Voilà. Trois ressources. Donc c'est celle-ci. Comme ça, je place une tuile océan à 11 au lieu de 18. Voilà. À nous. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai que 20. 21, 22. Est-ce que j'augmente ma production de 2? Ça serait bien de pouvoir vite fait faire ça, quoi. Voilà, alors soit je pose ça, j'augmente mon NT quand même, et celle-ci, je la pose pour gagner deux feuilles. M'étais dit par là, ça aurait pu être bien, là. Là. Les océans, quand je pose ici, je gagne 6000 pièces, enfin 6. 2%. Puis bon, j'ai moins NT. 11. Et l'autre, ça vaut 11. 11 et 11. Bah, je vais peut-être faire. Est-ce que je fais ça? Parce que ça, quand même, je augmente le. Ouais. On va faire. Bah, on va. Le problème, c'est que. Celle-ci, je pourrais la vendre, ça, c'est sûr. Je gagne 1. Donc, j'aurai 22. 22, je peux faire 11 et 11. Allez, de toute façon, celle-ci, je la vends. Je gagne 1. Ça fait pile 22. 22. Est-ce que j'augmente de 2? Parce que ça, c'est quand même pas mal, hein. En fait, mes feuilles, je ne sais pas si c'est un bon choix, en fait. Parce qu'avec cette carte-là, mine de rien. Ouais, bon, par contre, il me faut plus de 12 tours, hein.
Deux feuilles. Où est-ce que je pourrais la poser? Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Là, il y a des cartes. Est-ce que j'en prends une comme ça, une comme ça? Non, mais j'aimerais bien le faire d'entrée, ce truc. Allez, je dépense 22 pour augmenter encore de 2. Voilà. Et puis je finis mon tour. Et je peux rien faire. Ça avance pas lourd, hein. Phase de production. 14, 21. Ah, on n'a plus que 21 maintenant. 14 et 21. Ici, une nouvelle feuille. Les deux énergies, elles basculent ici. Et j'en prends par contre 4. Voilà. Ça, c'est pas mal, je pense. Voilà. On avance d'un tour. On pioche nos 4 cartes. Quelle on va garder? Si on en garde. Ah, ça, plus ou moins 2. Ça, c'est pas mal quand même. Pas mal parce que ici les océans ouais les océans ça serait bien quoi. Ça voler 2 ou voler, bon ça on s'en fiche là. Ah oui c'est celle qu'on sait même pas ce qu'on y gagne quoi. Ouais. Et ça c'est uniquement une carte si on la pioche et qu'on la pioche gratuitement en fait, qu'on n'a pas à la payer. Donc celle-ci on peut déjà la mettre là-bas. Celle-ci, ah. Donc celle-ci, on peut gagner. Augmenter votre production par groupe de 2 badges. 1, 2. J'ai déjà 2 badges. Mais bon, ça vaut 13. Ça, ah ouais. Diminuer votre production de 2, celle-ci est pas mal. Ouais. Celle-ci, bon, celle-ci, non. Par contre, ces deux-là, ouais, mais ces deux-là me plaisent. Ça ferait 6, hein, le problème de 6. Mais 6, c'est quand même pas mal. Ouais. Et ben, on va la payer 6. Hein. Voilà, on les paye 6. Alors, voyons voir. À notre tour, on est bien au tour 3, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire à notre tour? Bon, déjà, j'aimerais bien faire ça. C'est 4. 4, je les dépense. Donc, je mets mon petit jeton comme quoi j'ai fait l'action. Dépenser 4 énergies pour gagner 2 aciers. 2 aciers, c'est pas mal. Et augmenter le niveau de 1. Donc, augmentant de 1, j'augmente ici de 1. Je suis passé à 15. Oui. Ensuite, de la prochaine carte que vous jouez. Ah, c'est pas tout le temps, c'est de la prochaine carte que vous jouez. Ah ouais, ça valait peut-être pas le coup que je l'achète alors. Ah ouais, alors là par contre, il m'en faudrait 3. Ouais, 3, ça peut être. Ah, mais est-ce que ça vaut le coup en fait? Parce que là, mon souci, c'est que les feuilles, j'ai bien peur que les feuilles, c'est avec ça que j'augmente. Mais bon, si j'augmentais déjà les feuilles, ça serait bien. Après, il y a ça vaut 13. Et j'ai pas de cartes. Ah, j'ai pas des cartes comme ça. Là, j'ai que 11. 11. Ah, celle-ci, j'aurais pas dû l'acheter. Enfin, bon, c'est pas. Et prérequis, 2% d'oxygène. Ah, celle-ci, je pourrais la jouer. Mais 28. Oh, 28, j'aurais jamais à 28. De toute ma partie. Celle-ci, elle vaut 13, par contre. J'ai que 11. Celle-ci. Au cher, il faut que je la vende. Moins 8. Moins 8. Température, il n'y a rien.
J'ai que 11 pièces. Ah oui, ça, oui, je l'ai joué. Ouais, je viens de la jouer. Ouais. J'ai que 11 pièces. Comment on va pouvoir poser? Je peux peut-être poser ça à 11. Ah oui, ben je pose ça à 11. À 11, je pose ça. Donc, je la joue. Mince. Je dépense tous mes sous. Ah non. J'avais 15. Là, il y a. Non, il me semble que. Pour ça, j'avais. Non, j'avais combien? J'avais 15, il me semble. Pourquoi j'avais 15? 14 plus 7, 21. Qu'est-ce que j'ai joué comme carte juste avant? Non. C'est pas celle-ci. Celle-ci, elle vaut 11. Celle d'avant, peut-être? Non. Ah oui, c'est les cartes que j'ai dépensées. Donc j'en ai dépensé 6. J'avais 21 moins 6. Ah ben il me reste 15, oui. Il me reste 15. Donc celle-ci, elle vaut 11. Donc il me reste 4. Voilà. Il ne me reste plus que 4. Je vaux 11. Et en jouant 11, je peux placer un océan. Un petit océan. Donc où est-ce qu'on va le mettre, notre océan? Bien envie de gagner de la. Voilà, on va la mettre là pour gagner deux plantes. Il faut que je prenne un peu plus de ressources. J'ai mal calculé mes petites ressources. Voilà, deux plantes. Deux plantes. Après, mes deux plantes. Il me reste plus de 4 pièces. 4 pièces, on ne peut absolument rien faire. Oh, il n'y avait pas de prérequis, hein. Je vérifie. Non. Ah, et puis j'ai posé, j'ai pas augmenté mon NT. Voilà. Bon, ben on ne fait plus rien. Ouh là là, ça a l'air dur, hein. Ça a l'air bien bien compliqué tout ça, hein. Phase de production. Donc 16 plus 7, 20. Voilà. Ok, après une. On fait 5. Là, il en faut quand même 8. Hein. Une, ici 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ici, rien. Bon, c'est bon. Ici, je retire mon jeton. Je pioche mes 4 cartes. Ah, des cartes, il ne faut plus en avoir là. Moins 12. Moins 12. Moins 12 degrés. Alors, on est super loin. Ça nécessite 6 badges science. Ouais, on n'a pas. Projet standard 3. Après avoir payé le coût d'un projet standard, sauf vente de brevets, gagner 3 MF. Ah, à chaque fois. Faites bien ça. Azote importé. 23, c'est super cher. On n'y arrivera jamais. Il n'y a que celle-ci, là, 3 MF, je gagne un projet standard, mais bon, non. Allez, on prend rien, c'est le quatrième tour. On n'a rien pris. À nous. Alors, j'ai bien envie de dépenser mes 4, comme d'habitude, pour gagner 2 aciers. Oui, il faut que je fasse attention à ces cartes-là. Les aciers, là, ils ne me servent à rien. Deux aciers plus monter d'un ici. Donc ici, je monte de 1. Ensuite, alors est-ce que je fais monter la température? Qu'est-ce qu'on a comme autre carte?
2% d'oxygène. Celle-ci serait bien. On est 28. 20. Ah, j'ai 27 piles. Eh ben, on va dépenser ça, hein. Vingt-sept piles. Ou alors, parce que celle-ci me plairait bien. Ah, celle-ci est beaucoup moins chère. Ouais, plus deux, plus deux, c'est pas mal. Et là, plus deux, plus deux. Celle-là vaut que 13. Mais je baisse de 2 mf. Là, j'augmente mes plantes. Est-ce que les plantes, c'est vraiment nécessaire? Là, il faut celle-ci, je pourrais la jouer. 11. 11, ça fait 24. 24 plus, ça fait 28. Oh, peut-être qu'on peut y arriver alors. Mais je perds 3 en production. Oh, allez, on va le faire. On va tenter ça plutôt. Ok. Donc, déjà, il faut que je vende une carte. Je me dis que les cartes que je vais vendre. Le pénitencier, ça vaut trop cher. Donc je vends le pénitencier. C'est tour 4. Pour gagner une ressource. Mince, une. Ici. Ça me fait pile 28. 28. Je joue. Celle-ci, quand même. Attends. Je me dis que celle-ci. Est-ce que celle-ci, ça vaut vraiment le coup? Ça vaut 7. Hein. Oui, allez. Je joue ça pour 4. Donc, vous pouvez ajuster à plus 2 ou moins 2 les prérequis globaux pour la prochaine carte que vous jouez. Donc, 4. Pour 4. Je baisse de 2 le nombre d'océans qu'il me faut. Ok? Donc, ici, celle-ci, elle me vaut plus que 11. Elle vaut 11, bien sûr. 11. Voilà, 11, parce que j'ai que un océan, ça suffit. Donc par contre, je baisse mon de 1, ça c'est un petit peu gênant. Je baisse de n'importe qui, mais pas moi, et j'augmente de 2. 1, 2, 3, 4. Voilà. Celle-ci, c'est du vert. Il n'y a pas de badge. Ouais, il n'y a pas de badge, donc celle-ci, en fait, elle ne me sert à rien. Réduit le flux solaire, mais accroît la croissance des plantes. Bon, ça, de toute façon, ça ne sert à rien, autant la mettre de côté. Ok, et après il y a celle-ci qui vaut 13. 13, pile les sous qui me restent pour. Alors là, par contre, il y a un badge. Pour baisser de 2, je descends à 4. Bon, c'est pas terrible, mais j'augmente de 2 ça. Et j'augmente de 2 ça. Voilà, ça me plaît. Voilà. Donc on a fait ça. Ça, je l'ai fait. Ok. Ok. Bon, bah après, on arrête. On a fini notre tour. Phase de production. Donc 4. Et ben 21 seulement. On baisse un peu. 21. 21. Ici, 3 feuilles. Ah, on arrive à 8. 1, 2, 3. Ça, c'est pas mal. Ici, 6. Et ici, 2. Voilà. C'est pas mal. Non. J'ai mis, c'est pas ça. C'est 6 comme ça. Voilà. Voilà. Après, on pioche nos 4 cartes. 1, 2, 3. On pioche, mais on les garde seulement en main. Ici, je monte à 5. Donc ça, on augmente de 1 à 8. C'est équivalent de 8. 8, je la paye 8.
n'y a pas d'icône intéressante. Au lieu de 11. 8 au lieu de 11, il n'y a que 3 de différence. Bon, ça peut être pas mal. Ah, ça. Zone nucléaire. Ouais. Placer cette huile et augmenter la température de 2. Ah, ça peut être pas mal, ça. 10. Énergie, ça, non. Et là, 4 océans. Augmenter 12. Là, ça fait 8. Ouais. Ah oui, mais celle-ci, il y a un badge comme ça. Ici, il n'y a pas de badge. Donc ici, je peux la payer. Ouais, ouais, 4 océans. Peut-être garder ça. Ça, non. Et ça, non. Est-ce que je garde ces deux cartes? Mais ça me fait 6. Après, j'aurais plus beaucoup de sous. Ça, c'est pas mal quand même. Allez, on dépense à 6. Allez, 1, 2, 3, 4. J'ai encore pas assez. Voilà, on n'a plus que 15. Ok, j'ai pris mes deux cartes. On est au tour 5. C'est bon. À nous. On retire ça. Donc déjà, on commence par mettre nos 4. Voilà, nos 4 ici. On gagne donc 2. 2 comme ça. Plus, on augmente de 1. Et on augmente de 1. Ça, ça peut aller. Ensuite. Ensuite. Sur l'envers. Il faut 8, température de 8. Hein, donc, on n'a pas là. Il faut faire la... Ça vaut 18, une... Celle-ci, elle vaut 10. Il n'y a pas de badge. Ah si, il y a celle-ci, mais il faut 4 océans. Donc, 4, j'en ai pas. Il me faut des océans, en fait. Où est-ce qu'on rajoute un océan? Là, ouf. Bon, on va enlever 2, 4... 6, 8. On enlève ça pour mettre une tuile. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? C'est n'importe où, en fait. Comme là, il n'y en a aucune. Je me dis, je vais la mettre ici. Ouais. Je la mets ici. Et donc, je vais gagner 2 pièces. Voilà, on gagne 2. Ok, ça c'est bon. Et j'ai augmenté mon NT de 1. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. J'ai augmenté mon NT, donc ça c'est bon. Après, malheureusement, ça je pourrais le faire qu'après. Je vais peut-être faire ça. Placer une tuile. Bon, c'est pas super bénéfique, mais... et où est-ce qu'on peut la placer? Ici, ça serait bien. Ouais. Celle-ci, est-ce que je la mets là? Mais je sais pas trop où ça se place, ça. Placer cette huile et augmenter la température de 2. Est-ce que je pioche 3 cartes ou je pioche 2? Ouais, je me dis. Parce que l'intérêt, c'est si je me mets là. 2%. Ça me fait 6 en moins. Ça fait plus que 22 pièces. Hein. Ça fait plus que 22 pièces. Est-ce que c'est vraiment très intéressant? Oui, quand même. Allez, ben on va jouer ça à 10. À 10.
Donc je prends cette tuile là et je la place n'importe où. C'était la dernière, je crois que c'est celle-ci. Ouais. Et donc je la place, mais je touche aussi les dividendes. Bah, je vais la mettre là. Je pense qu'on peut la placer là, hein. Sais pas trop. Et donc je gagne 2. 2 comme ça va me faire 6, c'est peut-être pas mal. Ok. Et j'augmente de 2 la température. 1, 2. Et donc j'augmente 1, 2. Voilà. Ok. Après, il me reste à peine. Et puis j'ai joué ma carte par contre. Je vais les jouer. Ok. Il me reste à peine 7. Là, je peux pas faire. Bon, là, je peux rien faire. Allez, tour suivant. Production 4, 25. 20. Ouais, j'ai pas beaucoup quand même. 25. Ensuite. Rien, rien. 3. 3 feuilles. Ces deux-là, elles basculent là. Et j'en récupère 6. Et là, j'en récupère 2. Ah. Si on est pile 8. Ok, c'est bon. Tour suivant. Mes 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Bof, non. Celle-ci, on ne la regarde même pas. Celle-ci, 6, brouillard, moins 14 degrés. Moins 14, on y est loin. La température, bah non. Moins 1. Dépenser une plante ou un acier et gagner 7 MF. Ah ouais, mais il faut 8%. C'est trop tard. Nécessite 2 bases science. J'en ai aucun. Bon, allez, on prend rien. On prend rien. À nous. Tour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. À nous. Alors, moi, j'ai ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais déjà cette action. Cette action me permet de monter là, de monter ici et de monter là. Ça, c'est pas mal. Ensuite, cette action-là me permet donc d'en dépenser 4. Il reste 1. De récupérer 2 aciers et de monter l'oxygène de 1. Voilà. Quand même pas mal celle-ci, hein. Voilà. Donc j'ai fait ces deux actions. Après celle-ci, elle n'est pas intéressante, mais j'ai toujours pas 4. Il faut que je pose des océans. Il faut que je pose des océans. Et les océans, c'est à 18. Ben, il faut que j'en pose un, hein. Donc 20, 18. Je pose un océan. Et l'océan, on va le poser où? Ici, pour prendre 2 feuilles et 2000, peut-être pas mal, ouais. Deux feuilles, ça me fera 5 feuilles et 8. Ouais. Bah, je fais ça là. Donc, je gagne 2000, ça c'est sûr. Je monte mon NT de 1. Ok, bon bah ça a l'air bon. Juste un truc qui m'étonne. C'est le nombre de trucs que j'ai là. 24 et je suis commencé à 14, ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, c'est ça. 8, 9, 10. C'est bon. Donc ça c'est bon. Après, donc j'ai posé, et donc après il y a Roi 18. Alors il me faut encore, il m'en faut 4, il m'en faut encore un autre. Et là j'ai 10, 2, 4, 6. J'ai que 16. 16.
Est-ce que je vends de la carte? Celle-ci, je pourrais la vendre. Et là, il me faut moins 8 degrés. Moins 8 degrés pour poser. Ouais, est-ce que celle-ci, je la pose pas? Après, celle-ci, elle vaut cher, hein. Ah ouais, mais là, j'ai 26 seulement. 2% d'oxygène. Est-ce que je dépense ça? Celle-ci, elle vaut que 8, hein. Et là, j'ai 10, 2, 4, 16. 16. J'ai bien envie de dépenser ces deux-là. 16 et 2, 18. Allez, je défausse ces deux-là. Donc, 10, 12, 14, 16 et 2, 18. Je pose une aquifère. Que je vais mettre alors celle-ci, je pourrais la mettre là pour gagner encore deux trucs. Ça me fait gagner 3, mais bon, je me dis, je vais plutôt la mettre là pour gagner une feuille. Allez, voilà 4, et on stoppe ici. De toute façon, on n'a plus de sous. Tour suivant, est-ce que j'ai monté? Non, j'ai pas monté, je crois. 25, donc ça fait 1. Ça fait 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, 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 c'est pas bon ça. 1, 2, 3 seulement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, j'ai que 10. Pourquoi j'ai monté à 11? Je ne sais pas. Quand j'ai posé ça, est-ce que j'ai monté l'oxygène? Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4. Ouais, là, peut-être fait une erreur. Et à un moment, j'ai dû oublier quelque chose. Je sais pas combien de fois je l'ai joué, mais je pense que j'ai. C'est pas possible. 1, 2, 3, 4. Quand même, paraît bizarre que. Je pense que je suis peut-être à 5 là. Je suis peut-être à 5 parce que ici, je suis à 25. Fait 11. 11, 1, 2, 3. Ouais, 4, 5, 6. Bon, c'est pas grave. Allez, tour suivant. De toute façon, 20, 29, 20 et 4, 29. Voilà, 29. Ici, rien, rien. Ici, trois feuilles. Trois feuilles. Trois feuilles. Ici, ces deux-là, elles basculent là. Il se fera 5. Et ici, 6. Nos quatre cartes. 1, 2, 3, 4. Et on avance à 7. Alors, bof. Ah, ça c'est pas mal. Faut 15, mais ça augmente l'oxygène. La température doit être de moins 18 ou moins. Ça peut le faire. Mais c'est des feuilles. Et là, il faut qu'il y ait 4 degrés ou plus. Ah, ouais, par celle-ci là. Mais... Celle-ci, je sais pas trop. Ah non, j'avais pas 8 là. Ah ouais, je pensais. Ah mais j'ai pas peut-être pas récupéré ma. Je sais pas si j'ai pas récupéré ma plante. Ouais, peut-être que j'ai pas eu ma plante. C'est bizarre parce qu'il me semblait que j'avais plus. Il me semblait que j'avais déjà 5. Non, là. Encore un oubli. Ouais, donc ça. Des aciers. En fait, c'est des cartes qui me servent à rien. Ouais. Bon.
Est-ce que je garde ça pour 3? Je garde ça pour 3, allez. Il reste, non. Pour 3, pour 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 7? Ouais, on est au 7e tour. J'espère que je ne me trompe pas là. 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7e tour. C'est les 3 cartes que j'ai défaussées. Oui. Allez. On y va. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, je pense que j'en avais un de plus, mais bon. Alors, déjà, on va commencer notre action. Donc, on va gagner 2. Ah, ouais. Je suis. Et donc, j'augmente de 1 et j'augmente de 1. Ok, on est là, on est comme ça. Après, j'en ai que 7. Ah là là. Après, il me reste 20. Là, il m'en faut 4. M'en faut 4. Il faut que je pose encore une eau. La 18. Une eau à 18. Eh ben, on la pose, hein. De toute façon, on est un peu 18. Donc, on augmente. On met ça. On la met là. Donc, on gagne une feuille. Ah, ça m'en fait 8. Ok, et je gagne 2000. Ok, j'en ai 4. 4, ça peut être bien. Donc 4, je peux jouer ça. 4, ça me vaut donc 2, 4 et 6. 6 fois 2, 12, ça fait 12, comme chez l'icône là. Donc je peux la poser, j'augmente de 2 ma production. J'arrive à 8. C'est pas mal. Ok. Donc j'ai rien dépensé, ça c'est bien. Par contre, après, moi j'ai des. Donc j'ai augmenté ma production de 2. Ok. Après, eh ben, j'ai mes 3 plantes là. Mes 8 plantes là. Donc là, ça c'est bien. 8. Donc j'augmente de 1. J'augmente de 1. Et je prends. Hop, ça, que bien sûr, je vais plotter, c'est là, pour gagner, donc, 6 pièces et une feuille. Voilà. Après, je peux rien faire. Ah, si, j'ai ça à 12. À 12, je pourrais faire ça. Ben, à 12, on fait ça. 15. Il me reste 3. Donc je joue. J'augmente l'oxygène de 1. Ok. Je baisse la production de mon adversaire. Et j'augmente. Je gagne 2. Non, c'est pas la production, c'est l'oxygène. Et je gagne 2 acides. Voilà. Donc ça, c'est joué. Et après, il me reste ça. Mais ça, bon, on n'est pas encore. Donc, fin du tour. Phase de prod. 4 plus 29, 33. 35. Ensuite, là, il n'y a rien. 3 feuilles. Oui, 3. C'est bon. Ici, les deux, elles basculent là. Mince. Et moi, je gagne 8. 5, 3, 8. Et ici, j'en gagne 3. Ça me fait. Voilà. Ok. On retire ça. On monte à 8. On prend nos 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, là, je suis beaucoup trop loin ici. Hein. Alors, ça sert à rien. C'est des points de victoire. Ça. Technologie, ouais, bof, à moins que. Non. Non, ça me sert pas. Ça ne me sert pas. Diminuer votre production de chaleur et gagner des sous, ouais. Et ça,
c'est des points de victoire. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Ok, 8. Eh ben, on est un peu mal. On est un peu mal. Je n'ai que ça. Donc, j'ai pas mis ouais, ça ici. Là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire du classique. On y met ça pour gagner 2 aciers. En dépenser 4. Voilà. Et augmenter de 1 température de 1. Heureux, hein, on a de la chance. Ok. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on a augmenté de 2, ouais. Alors, revérifions tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Normalement, on devrait être à 30, mais je suis à 31. Bah, je sais pas trop. Ok, donc ça, on a fait après. Et ben après, on a ces deux-là. On gagne 2. Ah, mince, alors, attends, on va... 1, 2, 3, 4, 5, on va le remplacer par ça. Donc 10, 2. Donc on augmente la température de 1, qui nous fait augmenter ça de 1, qui nous fait augmenter notre NT de 1. Ok. Ça c'est bon, ça c'est fait. Ouh, on est loin des températures là. Et après, oui, on a quand même tout ça. Celle-ci, je pourrais la poser. 28, 26. Eh bien, on va la poser. Ah non, il faut 2% d'oxygène. Au moins, c'est ça. Nécessite au moins 2% d'oxygène. Donc, c'est bon. Ben, je la paye à 26. Ouais. Ben, je la paye à 26. Non, je la paye à 22. Donc, là, ça fait 6, 20 et 2. OK. Donc, j'augmente de 2 ma production de feuilles et 2 ma production de chaleur. D'accord. Et après, malheureusement, j'ai plus du tout de sous. J'ai 11. 11, je pourrais faire ma centrale. Augmenter encore là. Bah ouais, allez, 11, on augmente ici de 1. Allez, c'est bon. Ah mince, j'ai aussi ce moins 2 là que j'ai pas calculé. Ouais. Bon, une erreur. Ici, quand j'ai joué... Ah bah non, non, non. Quand j'ai joué... Si, quand j'ai joué celle-ci, j'aurais pu payer un de moins. Bon, c'est pas grave, de toute façon, celui-là, a priori, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, phase de production, donc on est à 32 plus 4, 36. 36, ça c'est bien. Ici, on n'a rien, on n'a rien. Là, on a 5 feuilles. C'est bien. Là, on a 9. Ça c'est... mince. Ces 4 là, elles partent là. Et là, par contre, on a 9. Voilà. Et ici, on a 6. Voilà. C'est bien. Tour suivant. 1, 2, 3, 4. Il me faut poser des... Ça ne sert à rien. Augmenter votre... Production de MF, ça ne sert à rien. Ça, corrompu. Comité corrompu. Augmenter votre NT de 2. Ouais. Voilà. Et celle-là, ça ne fait rien. Ok, d'accord. Que celle-ci qui pourrait m'intéresser. Elle vaut 11. Elle vaut 10. Allez, on la prend. On est méchant. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est autour 9. Allez, on la prend pour 3. Voilà. Ouais, ben c'est la seule carte de toute façon qu'on a. Donc là, on est quand même plutôt mal.
On est quand même plutôt mal. Alors, on va quand même y aller. On y va. Donc, par quoi on peut commencer? Là, on en a 8. 8, 8. Je pourrais gagner. Rien du tout. Ah si, une feuille. Là. Et là, je gagne 6 000. Bon, déjà, on peut commencer par l'énergie. Allez, 5, 8. 8, on monte de 1 et on monte de 1. Ça fait 5, 8. OK. Après, ah ben on a ça, oui, je suis bête. On fait ça, on dépense 4. Voilà, on en met 2 ici, qui ne servent malheureusement à rien. Et donc, oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'augmente le... De 1 et de 1. Ok, ça c'est bon. Je pense que l'oxygène, je devrais pouvoir peut-être y arriver. Par contre, la température, je suis trop. Température, ça vaut 14. Et il y a aussi l'eau. L'eau qui vaut 18. Après, j'ai mes feuilles. On met nos feuilles. À nouveau. Hop. On augmente de 1. Et on augmente de 1. Donc celui-là, je vais le mettre là pour gagner 4 000. Voilà. Pour gagner 4 000 quand même. Ça, c'est bon. Après. Après, j'ai plus de feuilles, hein. Avec à 6. Après, j'ai ça pour augmenter mon NT de 2, ça vaut 7. Allez, on va dépenser 7. Même si je ne sais pas si c'est très important. 7. Donc j'augmente mon NT de 2. Je suis bien corrompu comme il faut. Après, il faut que je monte la température. Alors, soit je mets. Ça fait 7, 12, 30, 32. J'ai que 30. Ben, on va mettre 28. On va mettre 28 pour augmenter 2 fois la température. Une, deux. Une, deux. Voilà. On va tenter ça. Ah, voilà. OK. Après, ben, phase de production. 4 et 39, 41. Non, 4 et 39. Voilà. Après, 5. OK. Ici, ça va là. Et j'en prends 9. 4 et 1, 9. Et ici, j'en prends 6. Voilà. On va pouvoir monter la température. 1, 2, 3 et 4. Alors là, ça serait bien d'avoir des... Gagner une feuille par cité en jeu. Bon, ça c'est gratuit, donc je pourrais l'avoir pour 3 et je vais gagner 2 feuilles. C'est pas mal. Et là, je retire 2 feuilles, j'augmente ma production de 3. Vous nécessitez 3 tuiles océan. Vous perdez 2, 3 plantes. 2 plantes. Ça c'est peut-être. Ah ouais, mais j'augmente ma production de plantes. Ouais, mais ça, j'ai peut-être pas, c'est peut-être pas très intéressant. Je gagne 10 mégas crédits, un petit prêt là. Peut-être pas mal sur la fin du tour. Ça me vaut 8. 8. Je la paye 8 et je gagne 2, quoi. Ouais. Non, pourquoi 8? Non, je la paye 6. Je gagne 4 mégas crédits. 4 mégas crédits. Et ça, revendication de terrain. Placez votre marqueur sur une zone non réservée. Vous seul pouvez placer une tuile dans cette zone. Ouais, c'est nul. Vu que je suis tout seul. Donc ça, je vais peut-être la garder. Ouais. Pour gagner des feuilles. Ça non, ça non. Ça me fait gagner, on a dit. Je vais la payer 9. 6. Je vais gagner 4 pièces. 4 pièces et je perds 1. Il reste 2 tours. Je vais gagner en fait
une pièce, deux pièces. Non, ça vaut pas. Alors, on va peut-être garder ça, ça pour 3. Allez. Ok, donc on en est 2, 4, 6, 8, 10e tour. Ouais, c'est ça, je garde ça pour 3. Allez. La seule carte que j'ai, je suis un peu, quand même un peu mal, quoi. Alors, à nous. Nous. Nous, il me faudrait quand même. Ah, mais celle-ci, en plus, elle est gratuite, hein. Donc, celle-ci, je la paye. Ben, je la paye. Ben, je la paye 6. Non, je la paye même 4. 4, ça fait 2. 4, je la paye 2. Et donc, je gagne. Gagner une plante par cité en jeu. Donc, je gagne 2 plantes. Ouais, j'arrive à 8. Ça, c'est bien. Ok, donc j'ai un petit badge, c'est pas mal. Voilà. Après, on va commencer. Donc, 8, 5 et 3. Ah ouais, j'arrive pas à 8. Ah, ah mince, mince. Alors, 5 et 3, 8. 8, j'augmente de 1. J'augmente de 1. Ça, c'est bon. Il m'en reste plus que 7, malheureusement. Ici, ben, je joue l'action. Je gagne donc 2. J'en dépense 4. Voilà. Je gagne un oxygène. Ça, c'est bon. Après, les plantes, ouais, finalement, planter ça, c'était peut-être pas la bonne idée. Enfin, bon. Après, ben, j'ai mes 8 plantes là. Mes 8 plantes, on pourrait les mettre où? Ben, soit ici pour gagner, soit ici pour gagner. Peut-être plutôt se mettre là. Donc on prend nos 8 plantes. Nos 8 plantes, on augmente de 1. On prend une tuile que l'on met ici. Donc pour gagner 2 pièces. Et surtout un petit cube bleu qui ne sert pas à grand-chose. Est-ce que j'ai monté la température? Je ne sais pas et je gagne. Ah, est-ce que j'ai mis les deux pièces? C'est pareil. Une carte, c'est une carte. C'est quoi cette carte? Vos adversaires ne peuvent pas retirer vos. Ok, ça ne sert à rien. On la vend tout de suite pour gagner une pièce. Allez. Par contre, est-ce que j'ai assez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 plus 14. Plus 14, 38. Oula, c'est quoi encore mes calculs là? Ouais, encore un calcul raté, là, je vois pas ce que c'est. Parce que j'en ai là-haut, là, j'en ai beaucoup en trop, là, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi j'en ai autant. Par rapport à ce que j'ai. J'ai peut-être oublié ici de monter de 1. Je suis peut-être à 12. Parce que, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13. Ça, c'est sûr, c'est 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Plus les deux ici que j'ai regardé, 24, 26. Et en fait, il m'en faut 28. Mais je pense qu'ici, j'ai peut-être oublié d'en monter un. Je pense. Donc, je monte. Allez, après, on y va. On y va. Donc là, j'ai pas. Là, j'ai pas. Après, il me reste que des sous, quoi. Ouais. Que des sous pour faire quoi? Parce que j'ai plus de cartes. Donc, monter ça, ça vaut peut-être pas le coup.
température. Là, j'en aurai 12, 18. 18, ça en fait au moins 2. Et par contre, l'eau, il m'en faut 5, quoi. Ouais, ben, on va faire 18. Allez, on va faire une eau. On fait une eau. Donc, on monte là. Et l'eau, on va la mettre où? Piocher une carte. Avoir une feuille. Les feuilles, c'est pas trop intéressant. Donc, on va peut-être plutôt la mettre là. Pour gagner 4000, 4 pièces. Voilà. Première eau. Ça, c'est fait. Après, j'ai re-18. Je pourrais mettre une autre eau. Bah, on y va, hein. Après, là, je peux monter aussi la température. Allez, on monte de 2 la température. Il me faut 28. 20. 28, 28, c'est ça. 1, 2, 1, 2. Ok. Ensuite, il me reste plus que 3, donc 3, je peux rien faire. Donc, fin du tour. 45 et 3 et 4, 49. Voilà, 50. 50. Ça fait 50. Ici, 5. Ici, les 5 qui viennent là. Et on en récupère 9. Et ici, 6. Voilà. Ok, nos 4 cartes. 11e tour. 3, 4 cartes. Sert à rien. Ah, celle-ci, augmenter votre production. Et gagner 3 chaleurs. Ah, ça peut être pas mal. Ça, bof. Enfin, comme s'il reste 2 tours. Quoique, bon, ça serait peut-être bien d'augmenter. Ça, ouais. Ah. Lorsqu'une tuile océan est placée, peu importe les joueurs, gagner 2 plantes. Ouais, bof. Ah. Ah mince. Dépenser un acier et gagner 5 MF. Ah, mais c'est qu'une action. Donc, non. Allez, on achète ça pour 6. Voilà. Donc, c'est bon. À nous. Alors, nous, on va commencer par du classique, ça. Donc, 2 ici. 2 là. OK. Ensuite. Ah oui, il n'y avait pas des cartes. Ouais, je n'ai pas regardé. Des cartes. Ah si, il y avait celle-ci, là. Oh, bah, je vais l'acheter, celle-ci aussi. Allez. 27. Je vais l'acheter. Donc, ça me fait 3 en moins. Ouais. Et je m'étais dit. Allez. En fait, comme il a une icône comme ça peut être bien. Ok, après. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus ce que j'ai fait. Ah oui, j'ai fait ça. Donc après, je monte la température et je monte ici. C'est bon. Donc la température, à mon avis, ça sera réglé. Après, me dit qu'on va jouer ça. Ça faut 27. 25. 10, 12. Ah mince. Il m'en faut 25. Donc c'est 25 seulement. 20, mince. 25, 25, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ah ouais, pas terrible. Je pensais que j'en aurais eu plus. 3, 4, 5, ça fait 20. Ouais,
est-ce que ça valait le coup de l'acheter? Bon, c'est pas grave. 20. 22 et 25. Voilà. J'ai acheté 25. Donc, augmentez votre production de titane de 1. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Voilà, allez poser. Et après, je fais l'action. Donc, je dépense 1 pour gagner 5 pièces. Voilà. Ça peut être pas mal. Ensuite. Ensuite, j'ai ça. Importation de grès. Ça vaut 5. Alors, déjà, on va monter la température. 10 et 2, 8. 1, 1. OK. Ensuite, on va la remonter une deuxième fois. Hop. 1, 1. Ça, c'est bon. Ensuite, on ne peut pas faire grand-chose. Ça, ça vaut 7. Et ben, on la paye à 7. Donc, on la paye à 7. On augmente notre prod de 1 et on gagne 3. 3 énergies. Et celle-ci, ben, on va la payer à 12. Que ça vaut le coup pour augmenter de 2. Après, comme c'est la dernière, ça sert pas à grand chose. Ouais, bon. 11. On est à 11. Allez. On est à 11. Je sais pas si j'ai fait un bon choix là. Parce que, en fait. Après, température à 14. Et température à 14. Bon, on dépense un 14 pour monter la température de 1. Voilà. Et après, il me reste plus que 12. Et 12, j'y peux rien faire. Ah, 12, je peux rien faire. Ouais. Bon, allez. Dernier tour. Là, à mon avis, on est cuit. Alors, c'est le dernier, bien sûr. On gagne nos sous. Donc, pourquoi j'ai mis 0 là? J'étais à 4, je crois. Il a dû tomber. 4 et 49, ça fait 50. Mince. 49 et 4, 53. 50 et 3, 55. Ok. 5 feuilles. Ça, c'est pas très utile. Ici. 11. Ça bascule là. Et 11. D'accord. Et ici, 7. 5, 6, 7. Voilà. Après, on pioche nos 4 cartes. 1, 2, 3. 4. Est-ce qu'on va avoir placé cette tuile? Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Ouais. D'acier de 1, ça me sert à rien. Il y a juste peut-être celle-ci qui pourrait m'intéresser, placer une tuile pour gagner quelque chose. Pour 2 MF, je peux piocher une carte. Finalement, j'aurais pas dû me débarrasser de mes cartes océan. Hein. Je suis un peu mal là. Parce qu'avec ça, je vais pouvoir. Je peux piasser la tuile n'importe où en fait. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, voyons voir. Donc ça, a priori, ça va me servir à rien. Si je pourrais gagner 5 pièces, mais si je fais l'action seulement,
Alors que là, je place une tuile, mais je pourrais gagner des choses. Ouais. Ouais. De toute façon, mes 4 énergies, après, elles ne servent plus à rien. Bon, on va quand même la payer à 3. Allez, on la paye à 3. Voilà, on la paye à 3, ça peut peut-être être intéressant. Allez, à nous, dernier tour. Ah, dernier tour. Donc, on monte de 2 la température. Donc, ça me fait... Il m'en faut 16. 15, 16. Allez, 16. 1, 2. Bon, monter là-haut, ça ne sert pas à grand-chose. 1, 2, ok. Par contre, je peux placer une tuile. Donc, ça fait 3. Et ma tuile, je vais la placer où? Où est-ce que je vais la placer? Là, je peux gagner des sous, là, quand même. Mais là, je gagne une carte. Faut que je paye 36. Il me reste 3. Ah ouais, c'est impossible. Faudrait que je puisse piocher des cartes, hein, en fait. Donc, ben... pas trop où la mettre. Hein, parce que là, je gagne quand même 4 pièces. Hein. Ouais, mais bon. Oui, on va la mettre là pour juste piocher une carte. On pioche une carte, j'espère que c'est un océan. C'est la carte qu'il me fallait. Un astéroïde géant de glace. Alors, 36, c'est beau. Augmenter la température de 2. Et placer 2 tuiles océan. Oh, bah oui, bien sûr qu'on va la faire. 36. 30. Alors, est-ce que on finit notre truc déjà? Ouais, celle-ci pourrait me suffire tout simplement. Allez, 36. 30. 40. 41. Voilà. 36. Augmenter la température de 2. 1, 2. Donc un 2, ça me fait augmenter de 2. Un 2. Poser 2 tuiles. Un 2. On pose 2 tuiles. 2 tuiles, là on peut gagner des sous. Je peux en mettre une là. J'en gagne 2. Voilà, on en pose une là. Et je gagne 4 pièces. Et ma deuxième, je la pose ici. Et je gagne 6 pièces. Voilà. Par contre, retirer 6 plantes à n'importe quel joueur, ben ça. Et puis, ah oui, mais il faut que je paye 36. J'ai payé 36. Ok. C'est bon. Ça, c'est fait. Après. Après, eh ben après, je joue ça, je dépense 4 là. J'en dépense 4 pour augmenter. J'augmente ça de 1, ça de 1. Donc là, a priori, l'oxygène, je suis arrivé. Ici, je dépense 1 pour gagner 5. Ça va être pas mal. Après, il me reste un océan et une température. Et ben, on va faire ça pour 2. Voilà, on va mettre une tuile. Une tuile, ben, pour gagner des sous, hein. Donc on gagne 4 pièces. Pièce, ça je pourrais la jouer, mais je pense que j'arrive à finir. 14, je monte de 1 la température.
et 18, 20, 30. Je place la dernière tuile océan. On va la mettre là pour gagner 6. Oui, de toute façon, voilà, on gagne 6 pièces. Et j'aurais peut-être gagné 6 pièces, 6 pièces après, bah après je peux plus rien faire. Si je veux atteindre les 63 NT, je suis un peu loin. Parce qu'avec ça, peut-être piocher des cartes, mais les piocher des cartes, ça sert pas à grand chose. Alors comment on peut faire? Ouais, ma question, c'est comment on peut faire pour gagner? Ah oui, ah oui, parce que dans la partie, voilà, en fait, quand on joue en NT, là, on a ce projet qui est supplémentaire, là, gaz tampon. Oui, c'est comme ça qu'on peut augmenter aussi son NT. Donc à 32, moi, il me faudrait 3 NT, c'est 48, donc c'est impossible, mais à 48, je pouvais augmenter de 3 NT. Oui, parce que je me disais ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Là, on a 19. 19 et 14, 33. 33 et 9, ça fait que 44. Non, 33 et 9, ça fait que 42. 42 plus 14. Ah bah oui, ça fait 63. Non, non, non. 66. 14 plus 42. Non. 14 plus 42, ça fait 56. Voilà, 56. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup plus et je ne sais pas pourquoi. Normalement, je devrais être à 56, plus les deux, ça fait 58, les deux de ma carte, mais il y en a deux, je ne sais pas d'où ils viennent, ces deux-là. Ce que j'ai oublié de bouger un truc à un moment, ça m'aurait fait peut-être finir un peu plus tôt, ou alors je l'ai monté alors que j'aurais pas dû. Donc là, ça me pénalise. Ouais. Ouais. Eh ben, gros coup de bol. Gros coup de bol. La carte qui tombe vraiment au bon moment. Ouais, la carte qui tombe vraiment au bon moment. Et ben celle-ci, je crois qu'il me semble qu'une fois aussi, j'avais gagné de la même manière. C'est-à-dire que c'était la carte que j'avais piochée à la dernière, dernière action. Et en plus, il me semble que c'était une carte où, je posais, pareil, un océan sur... sur une case vide, enfin une case carte, mais sur le jeu normal. Ok, bon ben, c'est quand même bien aussi, hein. Celui-là, il est bien. Il est bien, et le plateau, le fait qu'il soit différent, c'est aussi plaisant. C'est aussi plaisant, ça change un petit peu, sûrement même la stratégie, en solo. En solo, c'est quand même pas mal. Et bon, bah, ma compagnie, elle m'a pas été malheureusement très très utile. Très très utile, mais bon, elle donne quand même des sous au départ, ça c'est intéressant. Et puis bah, les cartes préludes, ouais, c'est quand même bien. C'est quand même bien parce que ça fait gagner du temps, mine de rien. Parce que là, la partie, elle a duré à peu près 1h40. Ça fait gagner du temps et puis ça permet, je trouve, peut-être d'équilibrer par rapport à la... à la compagnie qu'on a eue au départ. Parce que, quand même... alors, ces cartes-là, on peut... Si, par exemple, parmi les cartes qu'on a, il n'y en a aucune qui nous intéresse,
Eh bien, on en prend bon à deux, hein, ça c'est forcément c'est le cas. Mais si on ne les utilise pas, on peut la défausser et on gagne quand même 15 mégacrédits. Donc ça peut rapporter au minimum 15 mégacrédits si elle n'est pas intéressante. Voilà. Maintenant, celle-ci, je ne sais pas si j'ai choisi la bonne. J'aurais peut-être dû plutôt choisir l'autre. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Parce que cette carte-là, elle était super, cette carte, hein. C'est elle qui m'a fait gagner tout l'oxygène, alors que j'ai posé que 5, 5, comment dire, 5 forêts au lieu d'en poser 14, quoi. Alors bon, on verra, je ne sais pas si j'ai réellement gagné, mais c'est gros, gros challenge. Et donc avec l'autre objectif où il faut arriver à 63 en NT, donc ça nous fait arriver à 40, à 56. Et donc après, il faut faire 2, 4, 6, il faut quasiment faire 7. 7 actions. 7 actions à 16 pour gagner du NT. Ouais, ça fait quand même beaucoup, quoi. Hein? Ça fait dépenser beaucoup de sous quand même pour la faire. Ouais, là, je me dis que quand même. Ouais, et je me dis là, je me pose quand même des petites questions parce que, à moins qu'il y ait des cartes qui nous faisaient gagner du NT, mais je pense pas, hein, parmi toutes les. Il y en a qui nous font gagner du NT au départ. Waouh, celle-là, ouais. Ah, celle-ci aussi. Ça, je sais pas ce que c'est. Gagner 6 titanes. Ok. Ah, celui-là nous fait gagner cargaison d'azote. Celui-là, il nous fait gagner un NT. D'accord. Jouer une carte de votre main, son coût est réduit de 25. Ah, celle-ci, 3 NT. Ah ouais, donc c'est celle-ci, on l'a au départ. Imaginez, vous avez ça. Un don. Ah ouais. Donc là, finalement, le don, on gagne 21, alors que si on la défausse, on gagne 15. Bon, on gagne quand même 6. Ouais, donc en fait, il y a deux cartes qui nous font gagner du NT. Hein. Donc si on joue comme ça et qu'on a la chance, entre guillemets, de tomber là-dessus et là-dessus, ça nous fait augmenter 4 notre NT. On est quand même beaucoup plus limité après pour ça, quoi. Mais l'intérêt, je pense, de cette autre version, c'est que comme l'objectif, c'est d'avoir un NT très important, c'est qu'on peut gagner en ayant beaucoup de sous, en fait. Enfin, en ayant des sous quand même, on peut gagner avec la fameuse action à 16. Ça peut être intéressant quand même. Bon. On verra. Donc là, moi, je vais regarder la vidéo, je vais essayer de détecter les erreurs. Et puis bah c'est tout. Peut-être que la prochaine fois je ferai une autre partie, mais avec l'autre objectif, celui d'Enti. Mais bon, il faudra que je réfléchisse quand même. Allez, à plus!